for the color inside whip is really jet. Yeah. Yeah. Bull rock with the lock, I can't really rock. Teardrop on my homie fit, he got a bite. No DM, I'm her LCM on Instagram. My skin peanut for the color inside whip is really jet. Yeah. Yeah. Bull rock with the lock, I can't really rock. Teardrop on my homie fit, he got a bite. No DM, I'm her LCM on Instagram. My skin peanut for the color inside whip is really jet. C'est quelque chose, hein. Ouais. Je suis semblant d'être sérieuse. On y est, vous y êtes. Grâce à votre travail, votre talent, votre efficacité, une finale de Champions League. Même pour moi qui suis dirigeant expérimenté, avec beaucoup de jeux, de finales, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Il y a bien sûr le talent, la technique, l'expérience, et puis après il y a les valeurs. Il y a ce qu'il y a dans l'âme, dans le cœur, et là je sais aussi que vous allez être plus fort que Barcelone. C'est Mandela. Le deuxième, un des plus grands sportifs au monde, c'est Michael Jordan.
le talent permet de gagner des matchs, c'est ce que vous avez fait des centaines de fois. Mais le travail d'équipe, du collectif, et l'intelligence du jeu permettent de gagner les compétitions, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas gagner un match, on veut gagner la compétition, et pour ça il faudra gagner le match. Et donc au-delà du talent individuel collectif, c'est votre maîtrise collective, votre intelligence qui va faire en sorte qu'on puisse le faire. C'est formidable pour le foot féminin d'avoir des stades pleins, d'avoir une opposition entre Barcelone et l'OL. J'en suis fier. Et ce que je veux, c'est être heureux ce soir. J'ai confiance en moi. Merci. Sur l'aspect défensif et sur toute notre animation défensive, il faudra qu'on ait un bloc compact en laissant très peu d'espace à cette équipe de Barcelone. Être capable de bien communiquer pour défendre en zone aussi, je pense que ce sera précieux. Et les filles vont avoir besoin de faire les choses de manière solidaire et ensemble. Après, bien évidemment que quand on aura le ballon, il faudra qu'on soit capable d'analyser les espaces et des moments où il faudra transpercer le bloc adverse ou des moments aussi où on aura de la maîtrise de notre côté. Et tout ça, voilà, pour essayer de mettre en difficulté ce bloc barcelonais. Dès le début, on va les chercher, on leur montre que dans les duels, ça va être compliqué pour elles. Sur la puissance, on est plus puissante qu'elles. Elles ont eu un titre et nous, on a 7. On doit être tellement confiante qu'on affronte ce match. On a tellement de talent, on est physiquement costaud. On a tout pour remporter le 8e. On doit avoir toute la confiance qu'on a à prendre ce match. Je vous jure, putain, quel talent qu'on a dans ce groupe-là. On va le faire, je suis sûre. Profiter des finales, c'est exceptionnel. Hein. Il y en a, c'est leur première. C'est pas tous les jours qu'on peut vivre des finales de Ligue des Champions. Donc là, c'est, on donne tout hein, sur le terrain. Ça doit être magique pour nous. Le terrain qui parle des filles, il y a ça qui doit parler aujourd'hui. Et le terrain, il doit parler en notre faveur. Comme disait Ada, on a toutes les qualités. Elles nous ont jamais battues, hein. Elles nous ont jamais battues. Et ça, dans leur tête, quand elles rentrent sur le terrain, elles le savent. Elles le savent qu'elles ont en face d'elles l'Olympique Lyonnais. Elles savent qu'on est l'équipe qui va les mettre en difficulté. Donc dans nos intentions dès le début, on va leur confirmer ça, pour les laisser dans le doute dans leur tête. Je ne repars pas sans le trophée. On a trop galéré, c'est pour des moments comme ça qu'on fait du foot. Des stades pleins, c'est pour des moments comme ça. Nos familles sont là et nous suivent. Donc ensemble, on n'a pas le droit de les décevoir ce soir. Ensemble, on n'a pas le droit. Déjà, nous décevoir à nous, oui, elles ont de la qualité, c'est une bonne équipe. Mais on a autant de qualité qu'elles. Et ça dépend de ceux que nous on veut, ceux qu'on va mettre ce soir, les premières minutes. D'entrée, on fait mal. D'entrée, si je dois faire la passe, je fais la passe. D'entrée, si je dois frapper, je frappe. Je prends mes responsabilités. Première occasion, c'est à nous les meufs. Il n'y a pas de cadeau ce soir, il n'y a pas d'occasion. Barcelona et Lyon.
Voilà, le décor est planté pour cette finale. Vous voyez les supporters Blaugrana venus en nombre. La poignée de main entre les deux entraîneurs qui se respectent. Sonia Bonpastor a parlé de cette équipe comme d'une inspiration. Tout est prêt. Et Ada Heiderberg va donner le coup d'envoi de cette finale de la Women's Champions League 2022. Voilà, c'est parti. L'OL va chercher à récupérer son trône. Et on va peut-être aller insister avec Selma Bacha, Heiderberg. Un petit peu plus de disponibilité. Amandine Henry qui propose... Quel but incroyable! Au bout de 5 minutes de jeu seulement, Amandine Henry, on vous l'avait dit qu'elle faisait des matchs exceptionnels en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce but? Qu'est-ce que c'est que ce but somptueux? Oh là là, c'est pas bon signe, ça non, a tourné. Je pense que c'est malheureusement... Ça a tourné. Quelle horreur. Quel cauchemar. Ah, ce qui est sûr, là, c'est qu'elle va rentrer, là, Buchanan. Quelle horreur. Ah, ça a twisté. Et là, on espère que... Il n'y a plus trop de suspense possible, la Coralie, effectivement. Que ça sera qu'une entorse. Elle a tout donné, elle a voulu revenir sur le terrain. Mais malheureusement, elle va céder sa place. Des Barcelonaises qui ne sortent pas pressé haut lorsqu'elles sont... Oh, le bruit d'eux. Allez, Selma Bacha qui va centrer. Chaque vestiaire, beaucoup de choses à débriefer, à corriger, beaucoup d'émotions à laisser retomber. On va laisser les 22 actrices qui nous ont offert un spectacle exceptionnel. Calme, récupérez. Là, c'est la mi-temps. Calme, récupérez. Maître de ses émotions, calme. On n'a rien encore fait là. 45 minutes, on n'est qu'à la mi-temps. La deuxième, elle va être encore plus dure que la première. Donc, tranquille, récupérez. Donc, comme disait Wendy, là, sur la deuxième mi-temps, lucidité des filles. La lucidité, la concentration, elle va être primordiale pour aller chercher cette victoire. Elles vont être obligées de venir chercher, marquer des buts. Donc il faut qu'on leur fasse mal dans leur dos. Elles vont être obligées de sortir. Leur def axial, les latérales. Donc nous, à la récupération, toujours analyser. S'il y a l'espace, on engage les courses et on met dans leur dos. Ok ? C'est bien ce qu'on fait les filles. Continuez, mais Wendy a la raison. Si on veut ce titre, les 45 minutes qui arrivent, elles vont être dures. Il faut qu'on s'y prépare. D'accord ? Mais nous, par contre, dès qu'on va avoir le ballon, on peut les punir. Et aussi, la notion de groupe, c'est là, c'est important. Donc celles qui vont rentrer, préparez-vous à rentrer direct dans le match pour aider, pour finir le boulot. Donc concentrez, on aura besoin de tout le monde. Et c'est là que ça joue. Parce qu'à la fin, on se saute toutes dessus. On ne regarde pas qui était titulaire, qui était remplaçante. Donc de suite, la concentration, pour quand on rentre, on apporte ce qu'il faut. On va chercher ce putain de but. On garde l'agressivité dans chaque action. Qu'on pousse, on pousse ensemble. On défend bien, mais on va aller chercher le quatrième but. La mission n'est pas finie. Allez, c'est dur, mais on a les fins, je t'ai dit. C'est dur. Et n'oubliez pas, le plus que le temps passe, le plus d'espérance et désespérés vont être pour marquer. Plus d'espace et on va prendre la main.
On n'a jamais joué réellement avec le même 11.
avec des blessures. Donc tu te dis, oh, est-ce que c'est pour nous? Et là, on est au complet le jour de la finale, collectivement, avec le staff. Donc ouais, c'est bon. Viens là, alors champion, petite championne. Chris. Oh putain. Et là, ta médaille. C'est ta première? Oui. Avec mon frère, voilà, et mon frère, très beau. Quoi de quoi? Ben ça va bien, les quoi de quoi ont porté bonheur jusqu'à la fin. Donc ouais. Tant qu'on continue de gagner, je les enlève pas. Jusqu'à, si j'ai 50 ans, je les garde encore, je m'en fiche. Ah, garde tes quoi? Pour l'instant, ça marche. Allez. Quand je suis revenu, Xenia m'a demandé de l'aider, je lui ai dit t'inquiète pas, on va la gagner à la finale. Et je suis content parce que franchement, c'est pas gagné d'avance, on a eu une saison vraiment galère, beaucoup de blessures, beaucoup d'emmerdes. Mais écoute, tu vois, comme quoi, à la fin, Lyon gagne toujours. Hein. Toujours. L'OL gagne toujours. Toujours. Merci pour ton... Putain, mais... en joueuse et en coach. Non, franchement, c'est énorme. Ouais, c'est mais énorme. Comme je te dis, je réalise pas. Mais tu te dis, putain, quand tu travailles et que tu es récompensé comme ça, c'est merci mon Dieu. Ouais, puis la saison a été difficile un peu. Ouais. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, franchement, mais t'as raison de dire que rien n'a été facile. On a vécu des moments vraiment pas simples. Mais je pense que ce groupe, il a à chaque fois trouvé les ressources pour aller voilà, rebondir, se remettre en question et avancer et garder les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Mais franchement, entre les demi-finales, aller au Parc des Princes, jouer dans un stade plein avec 45 000 personnes et battre le PSG, venir gagner ici Barcelone avec un stade qui était acquis à la cause de Barcelone, franchement, j'ai des top joueuses. Il y a de la qualité, du talent, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'elles ont des valeurs qui me ressemblent. Et je pense qu'avec le staff et les joueuses, on est ensemble et ça me fait plaisir de pouvoir aller atteindre voilà, ces sommets en imprimant des valeurs qui me sont chères. Et maintenant, un doublé? Ouais. Tu vas me chercher ton doublé, ce soir. Tu me connais, Tom. Tu blagues pas, hein? Tu me connais, on va savourer un peu. Ouais. Mais il nous reste deux matchs. Il nous reste deux matchs et... l'idée, c'est que voilà, sur le prochain, à Paris, encore une fois, on puisse au moins avoir un point pour être officiellement championne de France. C'est vrai que pour une première saison, ouais, un doublé, Ligue des Champions, championnat, on va savourer parce que c'est top. Et merci encore à mes joueuses parce que c'est elles qui me permettent de vivre ça. Merci à mon staff parce que Dieu sait comment je suis exigeante et parfois, voilà, je suis exigeante aussi avec eux, donc merci à eux de m'accompagner et de faire en sorte qu'on arrive à ensemble à aller vivre ces émotions. Merci Soso. Je suis trop sérieuse, Tom. Décoince-toi un peu. Pète un coup là. Allez. Voilà, danse Soso. Voilà.